bienvenue. Donc là, je voulais tourner ça vers un manche de truc, de bouge. Et bah, je m'aperçois que j'ai pas la pointe. J'avais une pointe sur l'autre tour que la boîte que je m'étais fait avant. J'avais une pointe que je mettais dans le nez mort. Comme c'est les 3 points, là c'est 4 points, 4 faces. J'avais une pointe qui se mettait avec un cylindre et puis un client, enfin une pointe d'entraînement quoi. Et ben, je l'ai démonté le tour parce que j'avais besoin d'être celui-là à la place. Et je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, elle n'était pas terrible, mais elle m'était pratique. Donc ben, à force, j'en refasse une autre. J'en refais une bien, ce que c'est mieux. Avec un peu de forge, du ménage, enfin tout ce qui va bien quoi. Allez, on s'y met.
Donc voilà ce que ça donne. Donc je me suis aperçu que c'était de l'acier mi-dur. Ça veut dire que si je le trempe, il va durcir. Donc je ne sais pas si je vais le tremper. Je vais laisser refroidir doucement.
Puis les monter. Voilà, tourner à peu près rond. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Ah ouais. Il est d'accord avec moi. L'huile. L'inquisiteur des infinis. Voilà, maintenant on va couper ce qu'il y a besoin. Bon, la pointe là est pas faite pour ça. Il faudrait que j'ai une vraie pointe. Je la sentais que ça bougeait. Il faudrait que je me refasse une pointe. Bon, et un autre. Mais bon, là c'est bien. Hein. Là ça pick up ça. Ça tourne rond, ça entraîne. Ça éclate le bois, mais ça va. Et voilà un manche de lime presque. Lui, ça ira bien. Voilà, j'ai fait un manche super. Bon, il est pas. Non, c'est parce que j'ai du bois un petit peu mangé au vaillant. Je voulais savoir si c'était, si je le jetais, je le cramais, ou si je pouvais m'en servir à faire des manches de lime. Hein, de toute façon. Je pense que c'est pas mal. Donc bah, le petit embout d'entraînement, la petite pointe d'entraînement, bah, elle va bien. Hein. Elle va très bien. J'aurais vu la taille que j'en ai quand même enlevé pas mal. Hein. J'aurais peut-être même pu me passer de l'écraser au début. Je pense que c'était largement vu que c'est fait 40. Et en fait, le gros que j'ai fait, je faisais 65. Donc je pourrais en faire un plus gros. Donc je vais peut-être certainement en faire un plus gros. C'est pas dur à faire, ça prend une paire d'heures même pas. C'est sympa, ça réchauffe. Parce que hier après-midi, c'est mis à faire froid avec la pluie.
Et bah, ce matin, il fait pas chaud non plus. Donc bah voilà, un petit outil qui va bien tirer de voilà, forger. Donc on n'a pas l'impression que c'est taillé dans la masse, mais non, c'est forgé, c'est ça qui est bien. Voilà, voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les pointes, le tour à bois, la forge, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont dans la description, en dessous, menu déroulant là, pour faire afficher plus. Allez, au revoir, à la prochaine.